ustensile indispensable que j'ai dans ma cuisine. Un de mes préférés, c'est le pelle-pomme. Tout d'abord parce que j'adore les pommes, parce que je suis en Normandie et je fais beaucoup de gâteaux, de tartes et de compotes avec les pommes. Et il faut dire que d'éplucher, trancher, bah ça prend quand même pas mal de temps. Avec ça, en 5 minutes, une tarte est faite. Regardez, je vais vous montrer toutes les astuces. Déjà, il faut des pommes plutôt calibrées et plutôt dures. Donc les Pink Lady, les Granny Smith, voilà, toutes ces pommes assez dures. La Royal Gala aussi. Les pommes du jardin, j'ai pas trop réussi parce qu'elles sont plutôt molles. Ensuite, on tire grâce au petit clapet la broche, quoi. Je sais pas comment on appelle ça, mais bon. Alors, on met la pomme, on l'insère. Et là, on va tourner rapidement. On tourne rapidement, on n'arrête pas, surtout, on tient bien ici aussi. Et on tourne, 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 on tourne. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ben, la pomme est pelée. Le cœur est retiré. Et en plus de ça, par magie, les tranches sont coupées. Elle n'est pas belle, la vie ?